Ce mardi 27 juin, la station de radio flamande Radio 1 a annoncé que le roi Albert II de Belgique a été hospitalisé. Une information que le Palais Royal a, par la suite, confirmée. Selon les premières informations à ce sujet, le père de l'actuel souverain Philippe de Belgique, a été admis à l'hôpital tôt ce matin à Bruxelles. Mais pour quelle raison le roi Albert II a-t-il été hospitalisé? Selon les premières informations, l'époux de la reine Paola aurait fait un malaise à la suite d'une potentielle déshydratation. Comme l'a ensuite expliqué le porte-parole du palais, il aurait été admis par précaution et serait actuellement conscient. Toutefois, durant son passage à l'hôpital, le père de Delphine Boel, qu'il n'a reconnu que très tard, a toujours d'autres examens à faire. Son épouse, quant à elle, est restée au château du Belvédère, à La Queue, la résidence officielle des anciens souverains, note de la rédaction, dans l'attente de son retour. Supérieur à Albert II de Belgique, Juan Carlos d'Espagne, Akihito du Japon. Ces monarques ont abdiqué pour leur héritier Albert II de Belgique, un roi dernièrement très discret. Si Albert II de Belgique a abdiqué en 2013, permettant ainsi à son fils aîné, Philippe, de monter sur le trône, dernièrement il s'est fait toutefois très discret. Le souverain dont la double vie est bien connue des médias ne se rend désormais qu'aux cérémonies officielles importantes. C'est pourquoi, le 31 mai dernier, ce dernier a été aperçu aux côtés de son épouse, la reine Paola, lors de la remise du prix Reine Paola pour l'enseignement. Pourtant, si Albert II de Belgique a été très discret ces dernières années, c'est aussi pour la simple et bonne raison qu'il a connu de nombreux problèmes de santé ces derniers temps. Pour cause, en mai 2018, il avait notamment subi une opération du cœur, pour un remplacement de sa valve aortique, comme l'avait précisé le palais. Une opération importante dont il s'était, fort heureusement, bien remis. Crédit photo, Photonook.